Un nouveau projet de gouvernement alternatif a vu le jour. Il est censé présenter des propositions de gouvernance issues de la société civile en écartant les professionnels de la politique. Vous n'êtes pas satisfait de ce gouvernement? Nous non plus. Mais que proposez-vous à la place? C'est par ces questions que le projet Le Gouv présente la genèse de sa démarche dans les premières lignes de sa constitution. Le Gouv, lancé officiellement le 31 mai, est un générateur d'idées et de solutions qui met en scène un gouvernement à but non lucratif afin de montrer qu'une autre politique est possible, peut-on lire sur son compte Facebook. Pour son fonctionnement, le Gouv explique puiser dans la tradition anglaise du shadow cabinet afin de démontrer par cet exemple ce que proposerait un cabinet qui serait constitué d'une élite véritable d'hommes et de femmes soucieux de leur population et compétents dans leur domaine, avec le bien commun comme unique feuille de route et les cahiers de doléances populaires à leur disposition comme base de travail. Cette élite véritable est en réalité constituée de membres de la société civile non professionnels de la politique, rassemblés autour de revendications inspirées des principes du Conseil national de la résistance. Sur Twitter, la militante gilet jaune Priscilla Ludowski a témoigné son soutien à ce projet. Dans un tweet, une autre figure des gilets jaunes, Jérôme Rodriguez, a relayé le tweet de l'avocat Régis de Castelnau et des économistes Jacques Nikonoff et Claude Rocher qui ont également apporté leur soutien à ce projet. Enquête d'Info restera attentif sur l'évolution de ce projet et vous tiendra bien sûr informé. Pour la justice dans notre pays, un impératif, la restaurer dans sa fonction fondamentale de contrôle impartial de la société. Trois moyens pour cela, augmentation du budget, refonte de la formation des magistrats et également refonte de leur recrutement. Je veux construire un droit du travail qui protège tous les travailleurs et supprimer le chômage et la précarité. Développement et défense des industries stratégiques, lutte contre le pouvoir de la finance, lutte contre la rente. Voilà les quelques clés de la recette. Il n'y a pas de richesse sans puissance et pas de puissance sans indépendance. La France est à reconstruire, retroussons-nous les manches.